En 2020, face à la crise sanitaire, l'État s'est engagé à transformer en profondeur notre système de santé afin de l'améliorer au bénéfice des Français en donnant des moyens et des perspectives nouvelles à l'hôpital et aux professionnels de santé libéraux et du secteur médico-social. 50 jours de concertation avec les acteurs du système de santé autour de 4 piliers fondamentaux. Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent. Définir une nouvelle politique d'investissement et de financement au service des soins, simplifier les organisations et le quotidien des équipes de santé pour qu'ils se consacrent en priorité à leurs patients, fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. 33 engagements ont été pris, une loi a été promulguée. Des mesures déjà annoncées dans la stratégie Ma Santé 2022 ont été amplifiées. Les accords du Ségur de la Santé signés consacrent 8,2 milliards d'euros à la revalorisation des métiers, des établissements de santé et des EHPAD. Aujourd'hui, 19 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans dans les systèmes de santé et le numérique ont été annoncés au plan national. En Grand Est, hors numérique, le plan d'investissement représente 1,362 milliards d'euros et se décline en trois grandes priorités. 834 millions d'euros pour l'assainissement financier des établissements, 392 millions d'euros pour la relance des investissements, la modernisation des établissements, le développement de l'offre de soins, de suite et de réadaptation, l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées, 136 millions d'euros pour les investissements du quotidien, achat ou remplacement de matériel, réalisation de petits travaux pour améliorer les conditions de travail dans les établissements. Le CRIS, Conseil régional de l'investissement en santé, composé d'un comité des acteurs de santé issus de la Conférence régionale de santé et de l'autonomie et d'un comité des experts, a été installé le 6 juillet 2021. Il donnera un avis sur la stratégie régionale d'investissement, les projets soumis à l'ARS et suivra la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Le comité des experts apportera son expertise et sa vision au bénéfice et en accompagnement des projets de territoire. Cette nouvelle politique fait l'objet d'échanges et de concertations larges au niveau régional et départemental afin de pouvoir décliner des projets territoriaux au service des habitants du Grand Est. Co-construire, décloisonner, privilégier le travail collectif et la proximité territoriale, le Ségur de la santé est un changement de méthode et regard sur notre société, initiateur d'un nouvel élan du système de santé dans nos territoires.